On a connu Claude Rajotte, le redoutable chroniqueur de disques, mais ce soir, il entame une nouvelle carrière en tant que DJ au bar Le Record. On m'a demandé pour ma première gig de DJ de faire du vinyle. Alors, moi qui en a 5000 chez moi. En premier, j'étais pas trop certain, mais finalement, j'ai repris le bras assez vite, je t'avoue. Et puis, l'idée d'être DJ, ça me fascine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans le vinyle, écoute, ce soir, c'est des... Ben, ici, au Record, c'est surtout des trucs jazz, blues, rock. Donc, je m'en tiens pas mal à ça. Mais je vais piger, autant dans les années 50, 60 que 70, ça a été le fun à préparer. Hein. Justement, le vinyle, parlons-en, est-ce que tu crois à ça, le retour du vinyle? Non, plus ou moins. C'est un très bel objet parce que la table tournante est vraiment un appareil extraordinaire. T'sais, c'est bien plus excitant. Tu vois une table tournante, moi, ça m'excite une table tournante. J'aime mieux ça qu'un lecteur CD. Ou t'sais, j'aime bien mes fichiers audio, puis ma console, mon contrôleur moderne, mais... Du vinyle, c'est comme, je pense, c'est plus organique. Un peu, c'est plus près de l'humain, je pense. Et puis aussi, tu as le vinyle qui est vraiment... Tu as la pochette, je veux dire, tu as des belles pochettes. Les pochettes sont grandes. Maintenant, quand tu achètes quelque chose sur iTunes ou sur Spotify, la pochette est grosse de même, puis tu n'as pas... Et même une niaiserie que je rappelle très souvent, mais moi, je sniffais mes pochettes parce que j'aime les odeurs d'imprimerie, puis maintenant, je ne peux plus sniffer mes sniffers. Tu sais, il n'y a pas de différence entre un 320 et un fichier Wave. Ça sent même affaire, ça. Ouais. On peut pas ne pas parler des Destroy. On est en... Oui, il y en a eu 10 ans quand même. Il y en a eu 10 ans, les Destroy. Quasiment, oui, oui, oui. Aujourd'hui, ce serait quoi un Destroy de Claude Rajotte en 2017? Ça serait à peu près impossible parce que lorsque je suis revenu à Musimax et à Musiclus, il fallait qu'ils fassent des comités pour savoir si j'avais le droit de faire un Destroy, ce qui n'était pas le cas vraiment il y a 20 ans. La rectitude politique n'était pas aussi présente. Donc, ce serait comme à peu près impossible. Tout comme peut-être RBO pourrait pas redire les mêmes choses ou les Bleu Poudre qui a 25-30 ans. Alors, c'est... Un peu la même chose. C'était drôle quand ça a passé, mais pour moi, c'est du passé. Là. Moi, quand ta page tourne, là, c'est fini. Next! Là, je suis DJ maintenant. Comment tu vas gérer les demandes spéciales? Des fois, dans un bar... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas! Oh, le rêve! Non, je vais m'acheter une pancarte chien méchant là, ou pas de demande spéciale. Là. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'était ça fait plaisir. Vraiment. Ça fait plaisir. Donc, venez à mes sets en grand nombre. On a hâte d'entendre ça ce soir. J'ai bien hâte d'entendre Bonne chance. Bonne chance.